Et moi, dis-nous tout bonsoir et bienvenue sous Palmis avec ma poule à caille. Dans la rubrique, ça que nous ouvrons, qui c'est les grands dossiers avec serviteur, nous, Étienne Dunel. Et nous, on voulait faire suivi avec dernière cérémonie, côté que et nous t'ai parlé de surprise, justement. Et l'idée est qu'il y en a fait, côté que de montrer le prêt pour négocier. Eh bien, jeudi, hein, qui c'est jeudi. 8 mars, te gen yon delegasyon Kore du Sud ki te nan Maison Blanche kote ke yo te anpo pale avèk ofisyel ou Etats-Unis. E donk yo te pale avèk Trump an person. Yo te delivre yon let. E yon let, bien entendi, ki soti de Kim Jong-un kote ke Kim Jong-un invite Trump pou l te kapab renkontre avèl. Se sa an pil e ofisyel les Etats-Unis fè kompran. E donk ofisyel yo fè konen ke mesaj invitation, an fèt mesaj ou bien let d'invitation sa, se pat vreman yon let fizik, men an fèt se yon mesaj oral ke yo te charje justement delegasyon Kore du Sud la pou l te transmèt mesaj la oralman. Et by ton message là, c'est que officiel Corée du Nord, yo offri, en fait, comme ça, vous mettez sous table là, pour yo suspendre tout test missile nucléaire avec invitation pour capable gain pour parler. Et officiel, de faire comprendre que, non, on a parlé là, yo pas gain aucune intention. Notamment pour suspendre, pas oublier que pour le mois d'avril, là, ça a été planifié. C'est un bagage annuel, côté ça, les entraînements conjoints qui étaient toujours faits en Corée du Sud avec les États-Unis. Ils ont dit, malgré tout, bon message, ça, c'est qu'ils ont style à faire entraînement avec Corée du Sud, là. Et maintenant, l'idée est, en fait, on a parlé de délégation Corée du Sud, là. Li fait justement annonce dans lui-même au niveau de Maison Blanche, côté que et lui retransmettre message d'invitation que Kim Jong-un voyait by président Trump. En fait, il fait comprendre que Trump montrait que lui still était open pour faire un dialogue avec Corée du Nord, OK? Mais en fait, il dit que il t'a aimé que bien avant pour que Corée du Nord t'apprend des étapes concrètes pour montrer que l'IPRA vers ça aurait dénucléarisation. C'est ça, il dit que toute option est sous table là et il dit que comportement par rapport au régime n'a pas changé tout autant que il pas ouais de série de mouvements crédibles. OK, il voulait ouais que gain de étape qu'a fait effectivement vers dénucléarisation, ok? Si ça fait, il y a besoin de ça dans les concrètes steps. En fait, c'est ça qu'il a demandé. Et, mais, il a montré qu'il est open pour dialogue, justement. En fait, c'est dans un point ça que Bagayoye est là. En fait, toujours sous même dossier ça, il y a une nouvelle encore qui tombe dans le coup d'éclair vers 7h10 soir, aujourd'hui. En fait, il fait comprendre que président Trump, eh bien, définitivement, lui d'accord. On bien dit président Trump, d'accord pour lui capable rencontrer avec Kim Jong-un, leader Corée du Nord là. On nous dit que, en fait, il est d'accord, il entend que pour rencontrer ça, t'as fait dans le mois de mai pour le venir là. Et c'est ça qu'il fait connaître, bien que, mettez d'accord sous qui bon rencontre ça pour le faire. Et, en fait, je dis dans le mois de mai, il n'y a pas dit exactement combien, mais Trump t'a souhaité que pour que rencontre ça, t'a fait en mois de mai, lui d'accord. On nous dit que c'est pral vraiment première rencontre qui pral fait entre un président américain avec Kim Jong-un, qui a longtemps pas gagné et ce genre de choses, puisque presque tous les leaders passés ont toujours considéré monsieur comme un monde de terreur, ou par contre, bléchita avec monsieur. Puisque c'est un dictateur qui est considéré que lui. Donc, Trump, lui-même, quand il dit d'accord, moi, mais, l'a accepté, fait chita, on chita,
parler avec Corée du Nord. Maintenant, qui bon? Ça reste à déterminer. OK? Mais entre-temps, ils voulaient que toute sanction qui gagne, toute pression, pour toujours être même. En fait, ils n'ont pas l'intention, entre-temps, de retirer aucune sanction, aucune pression sous Corée du Nord. En fait, pour nous dire, c'est une grosse annonce, ça fait, côté que Trump d'accord pour lui rencontrer Kim Jong-un, leader Corée du Nord, là, dans le mois de mai. Et, en fait, Kim Jong-un, qui, en fait, non, pour parler qu'il était avec leader Corée du Sud, il fait connaître que lui-même, lui, pas de problème, lui prêt pour le faire, ça aurait une dénucléarisation. Dénucléarisation. Il dit le prêt pour ça et il dit que un bien il prêt tout pour lui camper sous Santarelli et test missile. C'est toute belle parole ça Kim Jong-un fait et il dit que Kim Jong-un dit lui exprimer pour être capable de rencontrer avec Trump le plus tôt possible. En fait, Trump dit que lui open pour dialogue, toute option sous table. Donc, c'est comme ça causé ça y est, un changement de données qui gagne et nous capables de comprendre que c'est diplomatie qui a joué. Et en pile, le monde est étonné, puisque dans le jour qui s'est passé là, tout le monde pensait que c'était après guerre et gagne un coup que Kim Jong-un fait là. Et actuellement, c'est pour parler qu'a fait très tellement. Kim Jong-un pas égaré, j'ai envie de dire. Il condamne pas parce que tout, des données t'as dit que. Pas trop longtemps, attaque n'a pas le fait. En fait, Kim Jong-un n'a pas égaré, il comprend la situation. Kim Jong-un, tout genre, puis le monde joue, a dit ça, c'est pas un extraterrestre, il pas sous-estimé force adversaire. C'est une bagarre pour qu'on ait leur bataille, il pas sous-estimé force adversaire. Et la BCI a juste lui en conséquence, c'est ça pour nous comprendre. Okay? Et maintenant, qu'on est là, en pile l'autre acteur a fait politique aux États-Unis, pas table pour un même coup parce que. Il y a une période côté que Kim Jong-un était d'accord, dit bon, le campé sous test, en fait, c'était sous Clinton, le campé sous test nucléaire, qui en bas, en cachette, il était continué à faire justement enrichissement uranium. Il n'y a pas d'aller prendre le même coup, ça encore, n'a suivre de près pour nous connaître ça qui va le passer. En fait, toujours sous dossier et Kim Jong-un, c'est que, bon, l'autre aspect qu'il a rapporté, il y a un aspect important. Qui ont rapporté. C'est que ont dit que, dans le moment où on a parlé là, et intelligence, en fait, section intelligence des États-Unis et Corée du Sud, ils ont gagné des données sous santé Kim Jong-un. En fait, ils ont fait comprendre que Kim Jong-un, on a parlé assez au monde, qui gagnait plusieurs problèmes au niveau santé. C'est ça. Et en fait, la ex fait des expériences difficiles au niveau de santé. C'est ça, le report fait qu'on est. Et en fait, nous connaissons que Corée du Nord, c'est des séries de bagages. En pile, bah, c'est que vous n'avez pas qu'à prendre tout détail, ou bien dit, vous n'avez pas qu'à prendre toute évidence, mais peu de données que vous venez fait comprendre que Kim Jong-un, c'est un monde qui gagne plusieurs maladies. C'est ça, en pile, sous fait qu'on est. En pile, l'autre sous fait qu'on est. Et en fait, ils ont considéré par exemple apparence physique, monsieur, comportement, dans les dernières années, fait en pile par en pile spéculation. En fait, Gemoun, en fait, en termes, on a pas mis une liste maladie que vous pensez, monsieur, souffrir, ils ont parlé de diabète, ils ont parlé de high blood pressure, et ils ont même parlé de maladies sexuellement transmissibles. Et il t'a fait comprendre que monsieur gagne des petits problèmes psychologiques. En fait, des petits problèmes psychologiques, vous pouvez comprendre ça, ça veut dire. Donc, ça veut dire que monsieur, c'est des problèmes de folie. Parce qu'il dit qu'il gagne des séries de issues psychologiques. C'est ça, des données secrètes qui sorti sous santé Kim Jong-un. Et, en fait, comme nous, en fait, on a parlé de. Intelligence Corée, les États-Unis, Corée du Sud, a cherché plus de détails sous causé ça. Et en fait, il y a des rumeurs que Kim Jong-un t'a semblé, ou bien dit, fait sanitariser des chirurgies plastiques
et que Kim Jong-un t'a cherché, fait exprès pour être capable de venir gros, pour le capable, en fait, t'as cherché en d'autres termes pour venir fat, mais vraiment, pour le capable plus sembler avec grand-papa. En fait, ça, nous, en fait, papa, grand-papa, qui est considéré de founding father, en fait, considéré comme un gros héros qui était fondé nation Corée du Nord, là. Et en fait, il fait comprendre, comme quoi M. Tabli travaille sous Lucli pour le plus sembler à grand-papa lui et qu'il a fongé, peut-être mal mangé, manger des séries de. Parce qu'il dit, M. a cherché gain s'il était gagné plus poids. Et nous capable de visage M. vraiment, oui, comment ça a bien pu. Et donc, en fait, intelligence des États-Unis et autres, ils mettent d'accord que pendant un moment, il a parlé, il n'y a pas qu'à finir tout détail. Ok, au niveau de l'information santé et l'idée Corée du Nord, là, parce que je veux une information Corée du Nord, là, parler pour tout le monde, c'est un bagage qui est vraiment difficile. Et en fait, si on a toujours continué à parler de l'information qui se capsoutit sous santé Corée du Nord, il parlait d'utilisation des séries de remèdes, une série de médecines, médicaments, drogues que, en fait, non, pas, on a tous les médicaments, c'est drogue, même une série de médicaments que la prend, vous pensez que les médicaments, ça a capable bien impact sous décision, ça veut dire. Et capable bien impact sous décision, ensemble de décisions que la prend. En fait, faut nous comprendre bien la raison qui fait chercher qu'on information sur santé et Kim Jong-un. Parce que vous comprenez bien, si monsieur Patrick en santé, s'il y a des problèmes psychologiques, comprenez bien, ça est capable de créer instabilité, capable de gagner des conséquences, justement, sur différents intérêts États-Unis qui dans le monde, là. Parce que j'avais dit que ça a fait qu'il agit de manière que le vino menace pour moi. Ça fait information sur qui Jean, Kim Jong-un porte-t-il important pour la communauté. Maintenant, non, on n'a pas là qui ça qui est sûr, ou bien qui ça est sûr au niveau de Corée du Nord. C'est que, yo connaît, en fait, ça est sûr de yo, c'est que 2014, monsieur T. souffrit de yon inconfortable, de yon condition physique inconfortable. C'est ça que yo connaît. Et yo te gen des images, côté que yo te capture monsieur, côté que monsieur, justement, li tap marché, côté qu'il pas de contrôle. OK? Et en fait, c'est ça qui fait que il t'ai fait comprendre que peut-être que monsieur souffre du diabète, que peut-être que monsieur gagne high blood pressure. En fait, c'est ça qui est sûr. Et une bagaille qui est sûr tout, il est capable de constater que de jour en jour, qu'effectivement, Kim Jong-un commence à venir prendre poids. OK? Il prend poids. Et que ça y a gagné, ça a des effets. Il fait se sentir. Et ils pensaient que ça a bali, ça a entraîné des problèmes au niveau du cœur, et ça a provoqué la cali. En fait, genre, que là, qu'on est lorsque le corps prend poids de manière démesurée, ça a causé high blood pressure. En fait, c'est l'impact, ça a pensé que poids qu'il a cherché pour un gain sous. Et en fait, ils ont parlé de Kim Jong-un comme un monde qui toujours aimait fumer. OK? Et il a fait des reports qu'en 2014, tout, que monsieur fait presque 2 mois, côté qu'il était gagné en pile douleur dans les jambes, ni au niveau de au niveau du pancréatique, il était gagné en pile douleur. Et donc, mais toujours est-il que le dossier sous santé Kim Jong-un toujours été au top secret, et personne ne monte pas, surtout pour au niveau Corée du Nord, pas au courant de détails. Mais données ont montré que tu as semblé que Kim Jong-un gagnent plusieurs problèmes au niveau de santé. C'est ça que nous voulons lui rapporter. Qu'on est là, nous pourrons traverser la Maison Blanche sous Trump. C'est que Jean Trump t'a annoncé là, jeudi encore, jeudi 8 mars là, c'est que nous voulons là te parler, mais pourquoi entrer en action, c'est que jeudi, eh bien, Trump, président Trump, si ça le dit, il pourra le faire, qui c'est Bayon Levy, une taxe de 25% sous aluminium, sous fer et 10% sous aluminium. L'ICN. Et nous, on va bagasser à arriver.
advisor économique, yon te gantan di li retire kol nan baga kon sa, li demisyoni Trump, fè sa l pral di yo, yon nan ti modifikasyon tout piti pase an pil republike apre li an mwey pou istwa sa, ti modifikasyon msye fè se ke msye retire le Meksik e le Kanada nan tarif sa, e li di ke li rete open, fleksib pou li te kapab retire li to alot peyi ankon. En fait, dans la déclaration Trump tap fait, pendant que le tap siyen, et il fait comprendre que, eh bien, yon pays qui pa gagne en industrie aluminium et fer, qui pa strong, eh bien, on pa gagne pays. En fait, c'est raison ça, en fait, pour lui-même, c'est comme quoi, c'est en façon que l'a fait pour lui forcer tout monde qui a produit et des biens qui gagnent aluminium et fer pour acheter, pour servir avec fer aux États-Unis, puisque c'est eux qui parlent plus bon marché, que l'autre, eux parlent beaucoup plus cher, en fait. Donc, j'en ai dit, c'est modification ça que Trump fait, mais en pile mono au niveau des parlementaires, qui pensaient que politique trop, en fait, il n'y a pas un moment pour nous mener en politique qui si protectionniste, ok? Et qui en fait pas oublier que en pays républicain quoi dans le marché libre qui t'est marché a choisi si mon nous choisi on fait c'est parce que il est plus bon pour yo c'est parce qu'il gagne plus qualité de manière générale républicain au parlement en politique interventionniste il t'a voulu que pour que yo quitte marché a deal avec bagaille donc ça fait un pile là dans yo justement montrer que yo en désaccord avec décision ça. En fait, yon nan bagay ki paraît un petit genre drôle à propos de décision ça, c'est que à peu près une temps avant combien pour l'al signer fait annonce là, on dit bien on dit une temps avant, c'est que House Speaker Paul Ryan, il était trouvé dans room depot dans zone Atlanta. Côté que il t'a dit employé yo moun ki dans zone ça yo que yo still a négocier à toi pour que monsieur t'a retourné sous décision, ok? Et en fait, j'ai compris, il y a travail sous ça, et donc, il fait, il y a un espoir, en fait, et bien, une temps après, nouvelle la tombée, bim, Trump signe, akra, ok? Et Paul Ryan déclaré que lui-même, il n'est pas d'accord avec action ça, une action qui vient créer une peur au niveau du secteur commercial là. Et donc, il fait comprendre que il est vraiment en désaccord avec le président sur point ça. En fait, un sénateur républicain résume Zach ça. En fait, il dit de manière simple, Zach ça qui s'allie, c'est une augmentation taxe sous dos industrie manufacture avec travailleur avec consommateur ça veut dire ça ça est vraiment vrai qui veut dire qui ça qui veut dire que faire là il va venir beaucoup plus cher OK avait dit que exportateur va obligé venir beaucoup plus cher donc monde qui pourra le payer là pourra subir conséquences c'est manufacture c'est travailleur avec nous même qui consommer tout produit à base de fer et de aluminium. En fait, lui-même, pendant que vous voté une loi qui vous diminue taxes, il pensait que ça, c'est une augmentation de taxes qui fait, qui c'est effet inverse, là. En fait, c'est ça, le sénateur Orrin Hatch, c'est ça qu'il déclarait lui-même. En fait, il y a un autre sénateur qui t'a parlé, et lui fait comprendre que guerre commerciale, ça, la guerre que Trump fait couvrir, là, c'est un bagage qui est stupide. Ok? Et on bagaille qui désastreux tout, ok? Donc, il fait comprendre que, de toutes les façons, que c'est les États-Unis qui pourraient le perdre. En fait, chaque fois que gagne des guerres commerciales, les États-Unis toujours sorti perdant. Et il fait comprendre que, consommateurs, c'est eux-mêmes qui gagnent lorsque gagnent plus commerce, plus échange. En fait, c'est dans ce sens ça. Donc, il pense faut supporter échange commercial, c'est ça, sénateur Bass, républicain reconnaît. Et Ryan et McConnell, tous les deux, c'est que ils ont tous mis en désaccord avec ça. Et en une fois, on dit, c'est pas seulement républicain ou démocrate,
complètement en désaccord avec décision tête chargée, ça, qui Trump passé de la parole aux actes. C'est ça pour nous retenir. Et nous, on a parlé là, il y a quelques républicains, c'est à essayer de faire là. Il a essayé justement d'explorer possibilités et pour être capable justement diminuer l'autorité présidentielle dans l'histoire de la bagarre commerciale. Mais on a rappelé pour tout le monde, Constitution, l'été au premier abord, by congressman, une responsabilité pour occuper question levy, question taxe. Mais ça qui est passé, c'est monsieur, dame, ça, c'est même congrès, ça, qui t'a décidé, voyez responsabilité, ça, by branche exécutif là. OK? Donc c'est comme ça t'est passé. OK? Donc c'est faute congrès, ça, parce que c'est eux qui dit remettre responsabilité, bah, responsabilité, ça, by exécutif là. En fait, sénateur John Flakes, qui sortit en Arizona, monsieur dit lui-même, il va introduire un bill, il va introduire une loi, cap, effacer bagaille Trump là. En fait, c'est ça qu'a parlé là. Là. En fait, il bien dit, il va introduire une loi là, cap, effacer histoire tarif 25% sous aluminium ça, 25% sous fer et 10% sous aluminium là. Et en fait, il commençait à dire tout collègue Lio pour y courir passer loi ça avant que et bagaille Trump là entrer en application. C'est sénateur Flex, Arizona, qui a venu avec nouvelle loi ça. OK? On l'autre bout tout, on l'autre sénateur encore, c'est sénateur Mike Lee, qui se tient en Utah. Il a une loi lui-même, et en fait, ça l'a essayé. En fait, loi qu'il a introduit lui-même, il a essayé pour que, eh bien, il était capable de faire feedback yo, chaque fois que le président t'a voulu venir avec un tarif. Il faut t'attendre à pouvoir le Congrès là. Donc, ça t'avait dit dans le cas ça, président, t'as bien pour soumis par le Congrès là avant que lui décide élever taxes, avant qu'il décide mettre n'importe barrière quelconque pour échange commercial. Et donc, ça t'avait dit, faut à la fois et Chambre Sénat et Chambre Député a approuvé toute augmentation de taxes, toute barrière que le président en fait, c'est des lois qui arrivent. Si loi ça arrive passer, eh bien, et bagage Trump là a campé. En pile, le monde t'a souhaité ça parce que vous dites à la fin, ça nous supposons attendre, c'est que, eh bien, l'autre pays, les pays de l'Europe notamment, ils n'ont pas prêt à regarder. Ils ont commencé à attaquer des produits et américains, mettez des sanctions sur YouTube. Et en fait, ça va gagner des impacts diplomatiques en termes de alliance surtout. En fait, c'est comme ça pour nous comprendre bien là. Donc, nous t'a souhaité que effectivement que bon loi passer ou bien Trump comme on nous connaît là n'importe quel qui a changé d'idée tout qu'il t'a décidé entrer et action ça qui peut créer problème dans divers côtés dans le monde là. En fait, nous l'autre bord gain près de 11 pays qui étaient dans un accord d'échange qui aurait les Trans-Pacific Partnership. TPP, n'a pas rappelé que Trump a décidé de retirer l'école. En fait, son est capable de retirer l'école dans Mézi Bagay. Qui en fait, lui, même parlé de NAFTA. Pas oublier que NAFTA, c'est le Mexique et le Canada. Monsieur a demandé pour renégocier NAFTA, si c'est pas ça, la retirer l'école là-dedans. En fait, monsieur était déjà retiré l'école dans TPP, Trans-Pacific Partnership là. Parce qu'il dit ça, Américain n'a pas aucun intérêt là-dedans. Mais malgré Américain pas là-dedans, il y a 14 pays, ils ont décidé de signer, renouveler l'accord ça. Pendant ce temps que j'ai constaté, le président Trump t'a voulu aller pour compte lui, dans toute sa lapte. Puisqu'il dit, Amérique a fait, c'est Amérique d'abord, c'est comme quoi le patin dans l'histoire, collaboration, union, le Panama, comme ça, ok? Donc, c'est ça qui a passé. En fait, leader de Mexico, Canada, Japon, et Chili, tout le monde, ça, ensemble de pays, eh bien, ils ont renouvelé TPP, là-dedans, nous avons Australie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour. Donc, 11 pays mettaient d'accord pour faire des échanges commerciaux, qui ont bénéficié, même malgré Trump lui-même, et lui retirer l'école dans le bagage comme ça. En fait, nous entendons ça la parler. C'est tarif qu'il qui va le mettre, qui t'a supposé entrer en application dans à peu près 2 semaines. Nous t'a souhaité avant 2 semaines, ça arrivait. Congressman, nous arrivons à faire un bagage pour stopper le danger, ça. Que nous toutes, parce que toute bagage électronique et autre qui a l'aluminium là-dedans. Donc, nous souhaitons que le Congrès ait une action pour empêcher catastrophe ça arriver sur nous autres, les consommateurs, qui consomment des produits à base de biens
à base d'aluminium et de fer. Coca-Cola, on parlait de Coca-Cola, ça passait, c'est que, eh bien, Coca-Cola semblait venir avec yon Coca-Cola, on dit, à base d'alcool. Il commence à essayer boisson alcoolisée, il voulait entrer dans le domaine. Mais faut nous dire bien, il a surtout introduit version alcoolisée Coca-Cola. Et justement, il a introduit li dans zone Japon. En fait, au fur et à mesure, il n'y a pas vraiment entré l'USA. C'est ça que il a fait comprendre. En fait, il faut nous dire bien, c'est essayer, pour aller essayer de suivre un feedback là. Il a connu ce qu'il a Kembe, il a toujours continué produit li. En fait, président Coca-Cola qui trouvait le Japon, hein, en fait, non, article qui paraît sur le website là, il dit qu'il va expérimenter une version sous forme de canne qui a bien la dernière alcool. OK? Et produit là, la sous-catégorie, on va les chouché en Japon. OK? Et chouché, c'est un drink qui est distillé, qui est à base d'alcool. Donc, enfin, on dit que. Déjà, au départ, au Japon, tu as toujours une variété de Coca-Cola qui n'est pas bien reconnue dans le monde là, en tant que sous forme de tea et autres. Okay? Parce que pas oublier que Coca-Cola, c'est une compagnie qui a adopté une stratégie en fonction du public, li, en fonction du côté qui est. Donc, ils ont introduit justement première version de ce genre, côté qui n'a pas gagné, une version alcoolisée de Coca-Cola. Donc, il y a plein de feedback là, suivant ça a marché. Ça a arrivé que yo entre dans diverses sections et tout côté dans le monde là. Nous autres, on a posé une question. Est-ce que justement, c'est en termes de consommation, version alcoolisée, en fait, est-ce qu'effectivement, sous pas de gain, ou t'as supposé. En fait, sans segmenter, en fait, pas dire que compagnie ont pensé sous forme de business, soit pas sous forme d'argent, entrée, c'est normal, on est son secteur lié. Mais soit passé sous forme humain, environnement, nous connaissons que l'alcool, c'est pas des effets négatifs sur la santé. Donc, nous par contre, on est tout, on a une réserve. Ça va dépendre de qui pourcentage d'alcool, version, on va le gagner. De toutes les façons, Coca-Cola a annoncé qu'il va introduire une canette et version alcoolisée de Coca-Cola. Donc, on a suivi l'objectif pour nous connaître est-ce que la Kimbell. Est-ce qu'il va l'introduire un peu partout, dans différents côtés que la vente produit? En fait, il faut nous avoir un update sur ce qui a fait actualité pour Haïti. Et actuellement, nous connaissons que dossier pour justement faire toute transaction commerciale en good. Il y a une décision que le gouvernement Jovenel Moïse Lafontaine prend, fait un pile débat suite au niveau de. Et commerce et industrie, en pile monou, yo pas d'accord, mais en fait, yo expliqué en ayant large que y a plus avantage pour nous faire toute transaction en good. En fait, yo argumenté, mais on connaît que y a toujours une résistance lorsque mon pile côté habitué servir avec dollar, donc y a toujours une résistance lorsque habitué fonctionner en façon que yo mando. Pour qu'on y avoir fonctionné en l'autre façon. Mais ça, pour nous comprendre la réalité, c'est que Haïti, c'est un pays quelque part. Nous avons monnaie. Okay? Ce n'est pas les États-Unis. Donc, faut nous commencer vraiment à habituer série avec good là. C'est la réalité. Hein? Parce que j'ai un autre argumenté, chaque fois que toute bagarre c'est pour dollars, c'est que on a créé. En fait, on demande qui n'est pas nécessaire. S'il n'est pas nécessaire, pour qui est-ce qu'il est nécessaire pour moi payer carrément en good? Donc, capable toujours gagner, payer carrément en dollars, excusez-moi, capable toujours gagner des occasions côté qu'on a besoin de dollars là, au bras le fond achat et au niveau du pays étranger, au besoin de dollars là, gagner des situations côté qu'on va faire des transactions internationales au besoin. Ça veut dire que monde a supposé utiliser dollars là, les nous gagnons besoin, c'est ça la réalité. Là. Mais si on a fait des transactions nationales, non pas gagner besoin de dollars là. À ce moment, c'est good. Donc, nous pensons que c'est une très bonne décision, c'est position par nous, pour nous renforcer, ou appétit de là, lorsqu'on a besoin, lorsqu'on fait des transactions internationales, concernant compte, il y a un monde capable de choisir, il y a un compte en dollars, ça c'est histoire pas monde, on a choisi safe en dollars, la loi bat le droit pour que nous ouvrions un compte en dollars, c'est pas une transaction quelque part, lorsqu'on a un compte en dollars. En fait, c'est ça, c'est comme ça pour nous comprendre, ok? Et
Et yon lot pou ankor ki kontinu a fè anpil, pale anpil, se kesyon Guy Philippe, e ki ta, non bien di ki ta, fè de deklarasyon kote ke, eh bien, li ta pointe du doa de senatèr et deputè, yo mèm pale de 14 deputè, 7 senatèr, ki et ta justement trouvé yo nan, ki trouvé yo sou le ligne, de la DEA, mais pas l'antenne côté confirmé, et gampil par l'ampil, yo même accusé Loukou Désir, justement, cap voye mouté, en fait, n'a pas de côté ni là, nous par contre, qui ça pour nous quoi, et gagné notamment cousin Guy Philippe, qui prend la parole pour dire que Guy Philippe pas en traite, il pas dénoncé personne de monde, mais équipe Matin Débat, yo été attaché à la déclaration, yo, ok? Il aurait été attaché à la déclaration pour faire comprendre que Guy Philippe dénonçait les autorités de l'État et que nous on a parlé à un ensemble de sénateurs et députés, justement, qui sous menace et que si pas mal, les nègres, ça vient faire une visite par bon ici, ça reprend ses pailles. En fait, la pose de question, est-ce que c'est des sensations qui en fait, ont impression, qu'on impression pour un pile monde que M. Damiot a cherché à créer des sensations? Justement, pour capable de gagner écoute, mais nous pensons qu'effectivement, l'État, bon, et si vous pas capable confirmer une nouvelle, vous pas confirmer, parce que, et lorsque vous dites gagner, t'as gagné, en fait, en nous clair, vous dites OK, mais tel, tel, quelque part, nous pensons que tout sénateur, député, vous avez même décidé officiellement d'attaquer le coup, vous dites, il faut que le citoyen, non, parce qu'il est touché. C'est comme quoi, tout, en fait, non, on a parlé là, tout sénat, tout député, tout sénateur, c'est des potentiels dealers de drogue qui s'enlèvent, puisqu'on ne pas pa pointer du doigt à personne. Si on ne peut pas pointer du doigt à personne, ou pas gagner confirmation de nouvelles, pas bailli, à moins qu'on ait fait sensation. Donc, en plus, on a dit, il faut que le co-désir, tu as dit, OK, mes sénateurs, mes députés, que justement, que nouvelle la bail. Que Mounsao déjà à la trousse que déjà a cherché, ok? Mais autrement, ou a gagné ou effet de sensation que en pile monde a pensé que vous cherchez à éviter. En fait, n'a pas suivi le déroulement pour nous porter dernier détail sur le dossier ça. Et il a même dit que il a demandé Jovenel pour être capable libérer des trois alliés, notamment au niveau de Petro-Caribé, Mounsao capable qui manger un pile corps, moun sa ou capable de prendre prison tout. Donc, c'est des spéculations, bien entendu, qu'a parlé, que nous ne pouvons pas vérifier, mais ça nous connaît. En fait, il montre clairement qu'il y a des instances qui, au niveau de l'international, qui voulaient faire gagner des mots. Nous avons position mini-juste, qui justement montait en faveur, faut gagner un bagage qui dit sous corps. C'est des milliards de dollars. Des milliards de dollars, qui est-ce qui va le payer? C'est nous autres qui va le payer côté milliards de dollars, ça coûte résultat. Donc, des instances nationales disent eux-mêmes qu'il a la ganache, faut gagner une parole qui dit sous histoire Petro-Caribé, ça, faut gagner qui prend code sous Petro-Caribé, ça. Bah, ça pas qu'à passer comme ça. Ils vont qu'à passer l'embattable. Ça semble que le dossier, ça a coqué dans la gorge, justement, Jovenel Moïse, et qui a la dernière minute. Pour l'objet Guénègue qui prend code. Et nous pensons que mériter ça, il faut qu'il y ait des exemples qui tracent pour les gens qui t'avaient volé pour comprendre que même leur quitter pouvoir, des pour voler, puis devant, il y a des moyens pour mettre sous code. Donc il faut qu'il y ait des exemples qui tracent dans l'histoire ça pour que Guénègue suspende, déchets pillés, pays ça. Okay? Donc c'était en substance et ils ont résumé des série de dossiers brûlants de l'actualité qui ont été portés pour nous dans le cadre rubrique les grands dossiers avec serviteur Etienne Lionel. Donc, sous base, ça n'a allé, nous la guéo, et j'aime toujours dire inscrit, capable de cliquer, bon, ici, t'as là, en bas, on va cliquer sur le bouton inscrit sous, parler sacrément pour la carrière pour capable toujours être formé et informé. Portez-nous bien. Bye bye.